Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur annonça son message à Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Que votre grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, vous nous avez fait connaître l'incarnation de votre Fils bien-aimé. Conduisez-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes la bonne vieille.
Bonjour et bonsoir à vous-même qui est à peine branché. N'abdio bienvenue sur Radio Transfiguration. Bienvenue dans la deuxième partie Réveil matinal. Jeudi, c'est jeudi 20 octobre 2022. Première lecture nous gagnons pour journée jeudi, sorti dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Première lecture nous gagnons pour vous-même pour journée sorti dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 3, les versets 14 à 21. Chapitre 3, prenant verset 14, rivé dans verset 21. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit
pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec toutes les fidèles quelle est la largeur et la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Comme réponse, psaume 32, entre parenthèses, 33. Comme réponse, psaume 32, entre parenthèses, 33.
Comme réponse, toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la rapadicorde. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Évangile pour ce jeudi 20 octobre 2022. Et Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Évangile pour ce jeudi 20 octobre 2022 et Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 12, les versets 49 à 53. Chapitre 12, prenant verset 49, rivé dans verset 53. Thank you.
voilà tous les mondes, les vides parmi nous. Parole à ces chemins, ces vérités. Parole à c'est la vie. Ces étoiles capées qui démoient. Parole à ces seules forces dans la vie moins. Parole à ces Jésus-Christ. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.